Nous sommes dans un monde de domination. Telle est la stricte réalité. La domination dans sa phase ultime étant celle qui, à mon avis, est figurée dans notre société martiniquaise et que je combats tout aussi radicalement, c'est celle, n'est-ce pas, de vivre dans une société qui est placée sous dépendance extrême. Et vous me posez la question de savoir quelles sont les bonnes pratiques. Eh bien, écoutez, je pense que la première des bonnes pratiques, c'est la seule que je pratique d'ailleurs, malheureusement, mais j'aimerais faire autrement pour notre pays. Je pense que la bonne pratique en matière de solidarité, de construction du développement durable, c'est d'abord une exigence éthique. Nous sommes dans une ère de civilisation où je pense que l'éthique a dépassé l'idéologie, les idéologies. Une posture éthique qui est celle d'abord, mesdames et messieurs, de ne pas accepter les non-solidarités, de ne pas accepter, n'est-ce pas, de nous croiser les bras face aux pauvretés, ne pas accepter de nous croiser les bras face aux stigmatisations des personnes handicapées, domaine que je connais très bien pour y avoir fait toute ma vie professionnelle. Ne pas accepter, n'est-ce pas, d'être nous-mêmes ici, dans notre pays, des exilés. Et voyez en moi celui qui, plus il prend de l'âge, plus il est dans le refus de tout ça. Je voudrais vous dire que c'est la première bonne pratique que je recommande. C'est celle du refus de tout ça. Parce que le refus de la domination, eh bien, mesdames et messieurs, c'est le refus d'être non seulement, nous allons dire, à côté de la domination, complice de la domination, mais c'est aussi le refus de nous laisser habiter par la domination. Parce que nous sommes, nous, en Martinique, un modèle de ce qu'on appelle la domination acceptée, voulue, désirée même, et puis repenser et recracher aux autres. Hein? Donc, je vous dis qu'à mon avis, la première posture, la première, est celle-là. Ce que nous faisons ici, avec ce que vous faites ici avec Eugène Larcher et d'autres, avec les élus et le monde associatif des Anses d'Arlet, est une pensée de l'action. Et je pense que cette pensée de l'action, celle dont Fanon a dit qu'il faut en faire une théorie du savoir pratique. Ce que nous construisons ici en matière de pensée sous les solidarités, sous les échanges culturels, est une pensée de l'action, une théorie du savoir pratique. Et donc cette pensée-là, mesdames et messieurs, qui est la deuxième recommandation, si j'ose dire, si j'ose recommander quelque chose, c'est celle de la nécessité de la création de modèles. Je pense qu'il faut que les peuples créent leurs modèles. Le troisième élément, mesdames et messieurs, j'avance un peu, je suis un peu plus audacieux, la culture, c'est un système de relations. Alors, comme c'est un système de relations, à mon avis, il lui faut un cadre. Et hors d'un cadre que je vais dire maintenant, qui est celui qui nous est donné par la nécessité de fréquenter le peuple, chaque peuple. Je ne suis pas un populiste, mais je pense que les peuples sont des entités de la réalité. Hein? C'est-à-dire qu'en vérité, hors d'un cadre de démocratie sociale, autrement dit de démocratie participative, si vous voulez, j'aime pas trop ça, ça fait un peu gadget, mais enfin, on va dire de la démocratie sociale, hors de ce cadre-là, les solidarités, les échanges, mesdames et messieurs, ne sont que des artifices. Et plus on va fréquenter en profondeur les peuples, et plus les peuples vont se fréquenter en profondeur, je pense que là, à ce moment-là, naîtra ce que nous recherchons tous, la solidarité, qui n'est pour l'instant qu'une valeur. Merci infiniment. J'ai senti effectivement une proximité. Et je pense qu'effectivement, il y avait aussi peut-être la notion de désobéissance civile. Refuser, désobéir, c'est aussi quelque chose qui amène un nouvel ordre. Quel que soit le ou les objectifs du millénaire visés par nos actions respectives, je crois fermement à l'utilité du partage de nos pratiques. Nos meilleures pratiques, bien entendu. La recherche et la mise en œuvre de solutions dans le domaine de la diversité et de l'inclusion représente un enjeu majeur pour plusieurs. Et l'échange entre nous est une condition sine qua non à l'atteinte de nos objectifs. Et c'est dans cette optique que je vous présenterai en premier lieu notre engagement et nos responsabilités de diffuseurs publics en ce qui concerne l'inclusion et la diversité dans notre monde en constante évolution. À Radio-Canada, nous estimons que l'être humain est tout entier culture. Et la magie absolue qui caractérise l'humanité réside dans sa diversité culturelle.
Avant de présenter la vidéo, je dois dire que j'ai été particulièrement interpellée par le discours d'Élodie. Élodie a parlé de solidarité et elle mentionne l'accessibilité et la compréhension. Et c'est là que ça rejoint tous les médias. En fait, les médias ont un rôle primordial au niveau de l'information. Et je regarde les 8 objectifs du millénaire. Et a priori, comme je l'ai dit dans ma première partie, le numéro 8 me concerne. Mais les 8 nous concernent en tant que médias. La ville de Saint-Louis de Marie-Alante s'est lancée depuis 2008 dans une démarche de développement durable par la mise en valeur d'un agenda local. C'est une nouvelle gouvernance qui fait du citoyen un acteur de développement et des solutions. Cette démarche nous positionne sur la scène internationale, non seulement au niveau économique, mais au niveau social et culturel. Les territoires doivent jouer un rôle essentiel dans la définition et la conduite des stratégies de développement durable. Nous nous devons d'être des acteurs de notre devenir environnemental, culturel, social et économique. Le temps est venu pour nous de développer des projets innovants, de mobiliser les compétences, de faire appel aux bonnes volontés et à tous pour relever les défis du 21e siècle. Il s'agit de définir un plan d'action pour la promotion du rapprochement des peuples et des cultures à travers les types d'activités que nous avons mis en place, c'est-à-dire les rencontres et débats dans des ateliers interculturels à travers la musique et la danse traditionnelle, la gastronomie. Je pense que le dialogue interculturel est un processus qui comprend un échange ouvert et respectueux entre les individus, les groupes et les organisations avec les fonds ou les vues de mondes culturels différents. Parmi les objectifs sont développer une compréhension plus profonde de perspectives et des pratiques différentes, augmenter de la participation, ça c'est la participation de monde, et garantir égalité et améliorer des processus créatifs. On voit que l'objectif d'un échange interculturel est transformatif de toutes ces participants et peut avoir pour résultat, par exemple, la création d'inspections, formes nouvelles, les nouvelles constructions d'images, et changer les modèles de comportement, etc. Nous avons dans l'abri un exemple de ça nous appelons l'Abri Cooperative Credit Union. C'est un petit coopératif qui est établi depuis 1976. Et ce qu'il fait, il a de succès, il a eu de succès à stabiliser l'économie du village. Ce qu'on y, on a les gens de l'Abori, le peuple de l'Abori, vient ensemble, ils se mettent l'argent, petit comme gros, ensemble, et on fabrique une organisation qui peut faire loans, les prêts. Et
quand l'année passée, ça a augmenté. Et ce qu'on trouve maintenant, c'est une organisation qui peut être le premier manager à Saint-Louis et peut-être dans la région de OECS, Organization of East Caribbean States. So, ça, c'est un exemple que participation locale que nous pouvons offrir. Nous baillons un modèle. Hein? Fondation qui travaille ensemble avec le gouvernement local pour faire marcher le programme de développement laboratoire. Mais vous savez que quand organisation non gouvernementale, nous pas qu'à joindre l'argent pays pour faire travail comme ça. Nous n'y pour lutter à ce côté nous, pas qu'on nous pour joindre l'argent. Et nous croyons que pour pousser l'agenda 21 et pour faire l'autre chose pour le développement durable, nous avons besoin de richesses hein, pays pour faire ça. Et puis nous croyons que nous avons besoin de nous achever ça, c'est pour travailler, pour augmenter, faire primaire le gouvernement. Tu as un système gouvernement local qui travaille pour tout le monde. Alors, bien évidemment, ce que vous dites là va être pris très, très, très au sérieux. C'est sûr que déjà, je voudrais qu'on applaudisse monsieur pour l'effort qu'il a fait dans la langue française. C'est une marque de respect, de politesse et un effort constant. Je vous remercie vraiment. Thank you very much. C'était très, très important de montrer qu'on peut faire des efforts. C'est dans la dynamique, justement, de comment on fait pour s'allier. Chacun fait des efforts. Vous avez fait un effort colossal. Encore une fois, merci beaucoup pour votre positionnement. Alors, ce que vous avez dit là, moi, je vais vraiment le mettre en avant, parce que c'est vers ça qu'on voudrait aller. Là, ce que dit notre ami, c'est qu'il dit, en gros, il explique qu'il y a des gouvernances locales qui se mettent en marche, mais qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Alors, comment faire pour qu'une démarche de gouvernance locale, en dehors des gouvernements... Parce que je vous rappelle que dans le développement durable, la notion de gouvernance ne cherche pas le pouvoir. Quand on parle du réseau Rêve d'Amérique, c'est un réseau informel. Il n'y a pas de poste à prendre. Moi, je suis coordinateur général, mais informel. J'ai un réseau, je le mets au service du système. On a Marjorie Théodore, elle s'occupe des ONG Société Civile. Elle a un réseau, elle le met au service du système. On a M. Cornano, ils se sont mis d'accord avec les maires. Ils ont dit, bon, tu vas t'occuper des collectivités durables et des villes. Tu nous représentes le réseau. Donc c'est un réseau informel. Il n'y a pas de conseil d'administration qui prend le pouvoir. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la gouvernance locale. Et là, il y a un truc intéressant. Parce qu'on veut sortir de ce colloque avec une stratégie de développement. C'est-à-dire, d'abord là, on part sur la stratégie de Laval, celle qui était faite à Laval, donc au Québec, qui a dit clairement, on va petit à petit, tout doucement, vers la mutualisation des moyens et des compétences. C'est-à-dire, en gros... Comment on fait pour que personne ne dépense de l'argent, qu'on réduise certaines dépenses et que cette réduction-là soit rassemblée et mise à disposition du réseau. Et ça, on l'a fait. Hein. Ce n'est pas du vent. Hein. Ça a été fait puisque je peux vous garantir que le premier colloque a été moins cher que prévu. Celui-ci aussi. C'est-à-dire qu'on a encore réduit les coûts, même pour ce colloque. C'est-à-dire même au niveau des billets d'avion. On a fait une mutualisation qui a fait qu'on n'aurait jamais pu faire ce colloque si chacun n'avait pas mis du sien. Et ça, il faut sortir ici de ce colloque avec une stratégie de développement. Si on dit... dans la déclaration qui va sortir, qu'on va nous certainement l'aisance, qu'on dit dans cette stratégie-là, on va tout faire pour qu'on mutualise des moyens. On risque de se retrouver à un moment donné à créer indirectement une espèce de communauté de communes, sans passer par l'État français ou je ne sais pas quoi, une espèce de communauté de communes en interne. Et ça, il faut y réfléchir sérieusement. Parce que même aux Nations Unies, on attend ce genre d'innovation. Agenda 21 ou pas, toute opération de développement local dans nos sociétés ne doit pas être mis dans les mains de n'importe qui. En particulier, écoutez, je vais annoncer ça pour qu'on voit mon objectif. Dans n'importe quelle main de sociologue, par exemple, ou d'anthropologue. En tout cas, pas de main d'artiste non plus. Il faut de vrais ingénieurs. On n'est pas ingénieur du social ou du culturel parce qu'on est sociologue. Hein. On le devient parce qu'on a, on s'est un peu fait une spécialité. Donc, j'insiste là-dessus, c'est une vraie expertise maintenant. Lorsqu'on est politique, on n'est pas dedans,
On n'est pas dedans. Et lorsqu'on est politique, on y va et on se tait. La règle, c'est qu'on se tait. Et on accepte d'écouter. Quand l'élu est là, au niveau de la masse, les gens, ils ne parlent pas tellement. Quand l'élu prend la parole, on pense qu'il a toujours la solution. Et c'est ça l'agenda 21. Et je crois que nous sommes en train de réussir ce projet-là. Nous avons beaucoup de remontées. Et je suis surpris d'ailleurs de ce dossier que nous avons. Et puis il y a des propositions très simples qui reviennent pour trouver des solutions très simples. Je crois que vous avez bien vu, c'est dans ce sens que nous devons aller. Et puis je voudrais revenir sur autre chose. Lorsqu'on parlait d'échanges entre les peuples, et je me disais, mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec la Bori, ne serait-ce que les échanges entre les groupes de danse. J'ai évoqué ce matin, pour un peu rigoler, que j'ai emmené 3 restaurateurs. Pourquoi ? Ce n'est pas pour manger, mais à travers cette tradition qui est bébélé. Je sais très bien, on parle de bébélé un peu partout. Les curieux, ils vont voir, mais ils vont entamer la discussion. Ils viendront à Marie-Galante, qu'on ne le veuille pas. Ils viendront voir ce que c'est le bébé, le conseil se prépare. Parce que le restaurateur, il est venu ici avec des produits qu'il a trouvés, même ici, pour préparer. Mais il reviendra lui-même aussi aux installés. C'est ça, ces échanges-là, ces contacts-là, qui feront que demain, effectivement, avec Marigot, avec la Bori, nous ferons pareil. Nous irons danser, quadrille, chez vous. Je pense d'abord que pour être solidaire avec quelqu'un ou un groupe, il faut d'abord le connaître. Or, à l'heure actuelle, je me considère comme un presque caribéen. Presque, pourquoi ? Parce que géographiquement, ok, on voit la Martinique dans les Caraïbes. Mais je n'ai aucun ami caribéen. Je ne connais ni un Saint-Lucien, ni un Dominicain. Et je trouve ça malheureux. Je me rappelle dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'avais posé une question. Est-ce qu'il y aurait des caribéens dans la place qui pourraient bien devenir mon ami. Je deviens presque un mendiant de relations en faisant ça. Donc, si au lieu, par exemple, de partir en vacances dans des pays européens, on décidait de prendre un mois dans les grandes vacances et les 2 premières semaines, des étudiants martiniquais ou des jeunes, pas forcément des étudiants, partiraient à Sainte-Lucie et les 2 semaines suivantes, des Saint-Luciens viendraient en Martinique. Je pense que ça, déjà, ça améliorerait la connaissance des uns des autres et en tout cas la solidarité, puisqu'on connaîtrait à ce moment-là nos voisins. Donc la question, tout simplement, est-ce que avec les instances qui sont en place, que ce soit l'ONG Plaque 21 et même les représentants de la ville de Sainte-Lucie qui sont parmi nous, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place ce type de projet d'échange d'étudiants ou de jeunes pendant les vacances scolaires? Quand on est dans l'agenda 21, on ne peut plus se contenter de faire la proposition, on doit porter le projet. Et au-delà du projet, le projet n'existe pas s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui relèvent de l'aventure humaine. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, il y avait et il y a encore une aventure humaine. Donc j'allais dire, plongez-vous dans cette aventure humaine, entourez-vous de vos camarades, portez le projet auprès de M. Larcher qui vient de vous dire rapprochez-nous, vous de nous. Et j'allais dire, la responsabilité ne lui incombe plus, elle est désormais la vôtre. Voilà.